J'ai derrière moi les gars une Lamborghini Aventador et je suis parti pour rester 24 heures à l'intérieur. Regardez-moi ça, la bête que j'ai en face de moi, si c'est pas incroyable. Attends, je vais faire des plans parce que franchement, je pense que je suis un peu trop choqué de ce qui se passe actuellement. On va rester 24 heures à l'intérieur. C'est clairement un rêve qui se réalise. Allez, on va fermer les portes les gars et on va rentrer à l'intérieur, voir ce que ça donne. En vrai, ça doit pas être si simple que ça. Ah ouais, c'est vraiment étroit hein. Oh ouais, rentrer dans une Lamborghini Aventador, c'est pas comme si c'était confortable. Mais là, regardez ça. Oh là, je suis bien. Regardez ça, le tableau de bord, le volant. Oh, c'est génial. Je pense, les gars, vous êtes pas prêts pour cette vidéo. N'oubliez pas, les gars, c'est très important, mais la sécurité est indispensable pour ce genre de voiture. Alors, pour que la Lamborghini se démarre, les gars, il faut tout simplement mettre le pied sur le frein et cliquer sur le bouton qui est juste ici. Start. Attention, vous êtes prêts? Oh là 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 là, c'est incroyable les gars. Je suis dans une Lamborghini Aventador. Je pense que les 24 heures, elles vont passer très très vite. Les gars, vous savez quoi? Je vais essayer de mettre un coup d'accélérateur pour voir. Oh là là. Oh là là, les gars, c'est un truc de fou. Ça va être clairement les meilleures 24 heures de toute ma vie. Par contre, les gars, regardez, il y a une place juste ici. Vous savez ce que je vais faire? Je vais aller inviter quelqu'un pour qu'elle m'accompagne durant cette péripétie. Hop là, c'est parti. On sort de la Lambo. Ouf. Ok, c'est quand même plus facile pour sortir de la Lamborghini. En vrai, elle est en orange, tout en orange, c'est juste magnifique, regardez-moi ça. Vous savez quoi les gars, je vais essayer de demander à Blandine si elle est chaude de rentrer dans la Lamborghini avec moi. Blandine, t'es pas prête pour ce qui vient de se passer, viens dehors avec moi là. Viens avec moi, t'es vraiment pas prête là, je t'ai réservé quelque chose de très très lourd, tu n'es pas prête. Tu penses que c'est quoi là? Je sais pas. Voilà Blandine, regarde ça juste ici, la nouvelle Lamborghini. C'est quoi ça? Genre t'as pas entendu? Attends, mais c'est clairement ma voiture de rêve, Blandine. Regarde ça, hop, c'est parti. J'ouvre. Ça, bébé. Pose pas trop de questions, Blandine. Pose pas trop de questions, vas-y. Hop, je t'invite à rentrer. Oh là 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 là. Les gars, elle est pas prête, Blandine. Ça va, tu galères pas trop à rentrer? C'est comment qu'on ferme ce truc, bébé? Ben va chercher avec ta main, Blandine. Oh là là, j'avoue que. Comment ça t'arrive pas? Mais non. Si si, tu dois tirer avec tes. Allez, attire, tire de tes forces vers le bas, vers le bas, vers le bas, Blandine. Ah voilà. Allez, tu es presque. Yes! Bien joué, Blandine. Blandine, n'oublie pas, il faut que tu mettes ta ceinture, hein, Blandine. Attends, quoi? On va rouler là? Ah ouais, ouais. Non, mais bébé, c'est oui, mort. Bien sûr qu'on va rouler. Bébé, c'est mort. Comment ça, c'est mort? Non, 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 c'est mort. Si, si. Non, non, non. J'ai trop peur. Allez, tiens, reprends la caméra, moi, je vais pas là-dedans. T'es sérieuse, Blandine? Comment on fait? Non, mais sors pas, t'es sérieuse. Non, mais t'es sérieuse, Blandine, sors pas. Sors pas, Blandine, non. Non, mais attendez, c'est pas possible. La Blandine, elle est en train de partir. Blandine, reviens là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Non, mais les gars, je comprends pas là. Blandine, elle est partie, elle veut pas conduire la Lamborghini avec moi. C'est sérieux ça? T'es sérieuse là, Blandine? C'est mort, j'aime pas ça du tout. Comment ça, t'aimes pas ça? Mais non, moi les voitures ça m'intéresse pas, j'aime pas. Les voitures ça t'intéresse pas? Mais attends, mais c'est la voiture de mes rêves. T'es sérieuse, Blandine? Non, mais elle est sérieuse. Bon, vous savez quoi, Blandine? Elle ne veut pas, je vais trouver une autre personne. Vous savez quoi, je vais poser la question à Naughty. Eh ben ça tombe bien, elle est justement là. Naughty, ça va ou quoi? Ça va et toi? Eh, j'ai un truc pour toi, t'es vraiment pas prête. Je voulais faire une surprise à Blandine, mais ça l'a pas plu. Donc j'imagine que toi, ça va te plaire. C'est quoi comme surprise? Eh, suis-moi, viens dehors. Oh, Naughty, t'es vraiment pas prête, hein, là, je te le dis. C'est quoi la surprise? Ça me fait peur. Je vois que là, Naughty. Comment elle... t'es aussi excitée comme ça? Eh, je suis excitée parce que c'est le plus beau jour de ma vie, Naughty, t'es pas prête. Regarde, viens, suis-moi. Elle est pas prête. Alors, déjà, je te donne un indice. Ouais. Regarde, l'indice, c'est ça. Mais non. Eh, si. Mais non. Quoi? Tu l'as conduit, moi. Tu l'as conduit? Bah ouais. J'avoue que toi, t'as le permis par rapport à Blandine, toi. Ah, tu veux la conduire? Tu veux la tester? J'ai droit? Ouais, tu veux. Vas-y, bah vas-y, c'est parti. Oh là là, c'est génial. J'ai essayé de tester la voiture à Blandine, mais elle aime pas du tout, elle a peur, tu sais. Oh putain, mais par contre, t'es grand, mon grand là. Ah ouais? Comment on avance? Alors là, je ne sais pas du tout. C'est la YouTube monnaie, baby. C'est ça, c'est la YouTube monnaie. Hop, on n'oublie pas la ceinture de sécurité. Alors, appuyez. Start juste ici. Oh là 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 là, Naughty! Wow! Wow! Oh là là! Oh, elle est pas prête, hein, Naughty! Attends, j'ai une question à te poser. Est-ce que t'as déjà conduit une voiture de luxe ou pas, Naughty? Oui. Oui? Oui? Ok, d'accord, ça va. Parce que regarde, je te demande même pas comment on recule ouais, une Lamborghini. C'est juste là, vas-y. Parce que je connais. Ok, et je l'ai même pas encore conduite moi. Attends, genre Naughty il conduit avant moi. T'inquiète, juste après je vais aller faire un tour et tout, ça va être stylé. Attention, tu gères là pour le moment Naughty là? Ouais, je gère. Oh là là, c'est génial. Par contre, il y a un problème avec le rétroviseur, je sais pas si tu vois là. Oui, c'est... il est un peu tordu comme ça. Oh non, mais il est franchement pas. Oula, attendez. Hop là, je monte la Lamborghini parce que les gars, il y a un dodan et quand il y a un dodan, c'est pas bon. Hein. On n'a pas envie de briser la Lamborghini. Non, c'est bon, là, normalement, on est levé. Hop alors, elle a bonne la sensation de conduite d'une Lamborghini. Elle est très très bonne, Jean-Fils, mais par contre, je vais te la donner.
mais j'ai vraiment trop peur de la tuer, la voiture. Là. Ah ouais, toi aussi t'as peur. Mais non, mais j'ai peur parce que ça coûte ça coûte quoi, 600 000 euros ça. Ouais, c'est une voiture qui coûte 600 000 euros, les gars. C'est vraiment abusé. C'est clairement abusé. C'est la tienne à jamais là? C'est pas ma voiture à jamais, c'est une voiture que j'ai réussi à me procurer. On n'est pas à Dubaï. À Dubaï, c'est facile de se procurer une Lamborghini, on va pas ouais, se mentir. Ouais, comme ça, c'est. J'ai claqué des doigts, les gars, et la Lamborghini n'a pas paru. Vas-y, c'est bon. Ouais, maintenant, c'est moi qui vais prendre des commandes de la voiture. Oh, Jean-Fils, par contre, je commence à me chier dessus hein, parce que tu conduis là. T'inquiète, je vais gérer la situation. Noti, je suis un professionnel de la. Les gars, j'ai trop peur, mon dieu. Non, t'inquiète, je gère la situation. Et j'ai l'impression que t'as conduit des Lamborghini toute ta vie. Hein, ah ouais, j'ai conduit beaucoup de Lamborghini sur les jeux vidéo là, Noti, mais t'inquiète. Oui, mais là, on est dans la vraie vie, Jean-Fils, pas dans des jeux vidéo, donc attention aux jantes. Merci. Pour moi, les gars, la vie, c'est un jeu vidéo. On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour être triste la vie, n'est-ce pas? J'ai pas raison ouais, là, Noti. Ouais, on est là pour s'amuser, mais moi peut-être c'est ma dernière journée en présence. Non, t'inquiète. Attention le dos, Dan. Hein. T'inquiète, je gère la situation. Il gère la situation. Je suis un professionnel de la conduite, je suis un pilote, les gars. Noti, t'es prête là? Je vais taper une petite accélération là. Non, mais Jean-Pierre, je suis pas trop prête, donc attention, ah, j'ai trop peur. T'inquiète, je gère la situation. T'es prête? Attention. Ouais. Ah, Jean-Pierre. Voilà. Tap, mais t'es un fou furieux. Non, Jean-Pierre, j'ai peur. Mais j'ai peur. Ah, j'ai peur. Stop. En vrai, la vie de ma mère, voilà, j'ai peur. T'as peur? Non, j'ai peur. Oulala. Elle a peur. Non, les gars, j'ai transpire, j'ai les auréoles sous les bras. Regardez, je rigole même pas. Non. Ah, mais j'ai peur. Stop. Mais franchement, ça a barré votre pote là. Calmez-le là. Attends, moi, je veux sortir de la voiture. Ah. Pourquoi tu vides pas ta tête là? Mais parce que j'ai une sale tête en train de. Moi je rentre à pied, c'est bon, tu je vais pas à pied. Non, rentre pas à pied. Ah non, bon. Mais arrête de faire de le fou. Mais je fais pas le fou, Noti, je conduis normalement. Attends, elle est sérieuse là. Attends, c'est bon, s'il te plaît, Jean-Fils. Tu veux qu'on rentre à la maison? Oui. Ah non, c'est bon, je fais derrière ça. Non, Jean-Fils, s'il te plaît, je te jure. Ah non, s'il te plaît, Jean-Fils, là, je rigole pas là. J'ai vraiment peur. J'ai peur, les gars. Non. Ok, c'est bon, j'arrête. Non, je sors de la voiture, mais là, je coupe la caméra, j'ai trop peur. Quoi? Attends, t'es sérieux? Regardez, je tremble, les gars. Quoi, tu veux sortir de la voiture là? Oui, je pars. Regarde, mais on est sur l'autoroute, ne tire pas sortir de la voiture. Non, je veux sortir, regardez. Non, Jean-Fils, s'il te plaît, il y a un dos, Dan. Je te jure que j'ai peur. Ok, c'est bon, je conduis doucement, je te promets. Moi, je peux plus tenir la caméra, je tremble, j'ai ma moite et tout là, regardez. J'ai trop peur, ça a barré. En vrai, qu'est-ce que t'en penses? Ok, ça fait des frayeurs, ça fait peur. Trop peur, ça fait trop mais peur. En vrai, c'est stylé d'être dans une Lamborghini. C'est stylé, mais faut rouler à 20 à l'heure, tu vois. Faut admirer le paysage. Et non, on admire pas le paysage quand on a une Lamborghini à Aventador, Noti. Mais oui, mais bon, t'iras amener ta meuf qui voulait pas rentrer dedans. Bah attends, mais comment ça se fait que toutes les meufs ne veulent pas rentrer dans une Lamborghini? Bah moi, non, je veux pas quand tu conduis, en tout cas. Moi, mais je suis un pilote. Mais non, t'es un pilote GTA, t'es pas un pilote de Lamborghini. Noti, tu sais quoi? Quoi? Je t'invite au restaurant. Quoi? Tu m'invites au restaurant? Eh oui, voilà. On est parti pour aller au restaurant. On va se manger un petit repas bien sympathique. En amoureux? En amoureux? Non. En amoureux, pardon? En ami-moureux. Eh, j'ai une copine, hein, voilà. Non, mais nous, avec Jean-Fils, on est des amis-moureux. C'est-à-dire des amis qui s'aiment. Ouais. Voilà. Merci d'ailleurs, toi qui m'as invité à Dubaï. C'est grâce à elle, les gars, que je suis à Dubaï. C'est grâce à Noti juste ici. Bah oui, parce que t'es mon ami, mon Jean-Fils. Donc, les gars, un maximum de pouces bleus. Noti, faut mettre combien de pouces bleus en dessous de cette vidéo? Eh ben, vous mettez 3 pouces bleus. 3 pouces bleus? Non, on doit mettre 600 000 pouces bleus. C'est le prix de la Lamborghini. Ouais, 600 000 pouces bleus, c'est bah, oui. Bah, mais ouais. Les gars, s'il y a 600 000, je loue une Bugatti. Une Bugatti, c'est une voiture qui coûte 1 million $, Jean-Fils. Tu peux pas louer une Bugatti. Bref, les gars, mettez un maximum de pouces bleus, les gars. Je compte sur vous. Là, c'est parti en direction du restaurant, on va se péter le bide. Mais j'y vais habillé comme ça là, en mode basket, jean et tout. Toi, t'es pas bien habillé là? Ouais, si. Mettez une note à mon outfit, surtout mettez une note à mes Jordan. Ah, elles sont incroyables. Regardez, elles sont grave stylées. Du coup, les gars, on se retrouve, on vient de rentrer du restaurant. Ça s'est bien passé ou pas, Noti là? C'était trop bon, une dinguerie. Mais bref, la Lamborghini est toujours derrière moi. Et comme je vais passer 24 heures à l'intérieur, là on a déjà quand même passé quelques heures, je vais dormir à l'intérieur. Mais il est fou. Regardez, moi j'ai mis mon petit pyjama, je vais aller me mettre au lit. Elle va rentrer à la maison, moi les gars, je vais rentrer et dormir une nuit dans cette fameuse Lamborghini. C'est pas du tout agréable ça, Jean-Fils. Hein. Ah, il paraît, on m'a dit que c'était pas du tout agréable. Non, pas du tout, non. Bah du coup, j'ai préparé ma petite couette et mon petit coussin juste ici, comme vous pouvez le remarquer. Et si tu veux faire pipi, ça se passe comment? Je fais pipi là, j'urine juste ici, là, Noti. La plante, elle va mourir, Jean-Fils. Je m'en fous, bah alors je pisserai sur la... non, rien. Allez. Du coup, les gars,
C'est parti, on ouvre la Lamborghini. Hop là. Il va faire froid ce soir. Hein. Il va faire froid ? Ouais, il va faire froid, Jean-Philippe, ce soir. Est-ce que la Lamborghini, elle a option radiateur ou pas là ? Oui, oui, elle a option radiateur, mais bon, ça consomme beaucoup d'essence. Donc évite de la laisser allumer toute la nuit. Merci Naughty. Moi, personnellement parlant, je vais. Je te ferme la porte ? Ouais, vas-y, vas-y. Ferme ma porte. Bonne nuit ! Bon les gars, ok, je suis dans la Lamborghini. Je vous avouerai que dans une Lamborghini, on n'a pas vraiment de place. Du coup, je vais essayer de faire ce que je peux pour me mettre confortablement en place et passer cette nuit en votre compagnie. Ok les gars, c'est bon, j'ai le coussin, je vais le mettre ici. J'ai la petite couverture, bien sûr, comme Naughty a dit qu'il faisait froid la nuit ici à Dubaï. Bah, je vais bien sûr mettre bien confortablement les gars. Et franchement, j'ai peur hein, parce que comme on a dit, une Lamborghini c'est cool, c'est sympa à conduire. Mais pour dormir à l'intérieur une nuit, je pense pas que ça soit vraiment confortable. Je peux pas rabaisser les sièges. La vérité, ça va être vraiment horrible cette nuit. Mais bon, c'est pas tous les jours qu'on peut profiter de dormir dans une Lamborghini. J'espère en tout cas les gars que vous passez un très bon moment en visant cette vidéo en compagnie les gars. Vous savez bien que c'est tout le but. J'ai passé quand même une folle journée. Du coup là, vous savez quoi, ben je vais vous souhaiter bonne nuit et on se retrouve juste après quand je me réveille. Allez, bonne nuit. Attends, là, c'est... voilà. Voilà, là je suis bien. Allez, bonne nuit. Oh les gars, attends, il est 4h du matin, j'arrive pas à dormir, c'est vraiment galère. Il fait toujours nuit. Je vous jure, j'arrive pas à dormir, c'est vraiment pas confortable. Je passe une de mes pires nuits de toute ma vie, je vous jure. Je m'étais dit que j'allais filmer ce court passage, mais bon, allez. Je garde les poings serrés, les gars. Et je vais réussir, c'est 24h dans une Lamborghini. Allez, à toutes. Oh les gars, je viens tout juste de me réveiller. J'ai passé l'une des pires nuits de ma vie, je vous jure, c'est vraiment pas confortable, j'ai quasi pas dormi. D'ailleurs les gars, wesh. Oh, tu as ramené un croissant, un pain au chocolat. T'es sérieux, tu me ramènes mon petit déjeuner dans la Lamborghini, Naughty? Oui, t'as bien dormi. Eh, franchement, honnêtement, la pire nuit de ma vie, hein. C'est vraiment pas du tout confortable. Je te Oh non, elle va prendre sa douche. Oh là là là, les gars, on est parti pour manger le petit déjeuner. Par contre, là, je vais pas vous mentir, il fait quand même très très chaud. C'est juste que la nuit à Dubaï, c'est très très frais. Il fait très très froid. Merci Naughty pour le petit pain au chocolat. C'est parti manger son petit déjeuner dans une Lamborghini. Franchement, ça passe crème. Par contre, les gars, vous savez ce qui m'a réveillé? C'est que parce que comme il y a une Lamborghini et les gens sont pas habitués à voir ça dans le quartier, il y a des gens qui s'arrêtent et qui font des photos, frérot. Je me réveille, il y a un mec en face de moi en train de faire une photo de la Lamborghini. Franchement, j'étais pas bien, mais bon, il faut s'y faire, les gars. C'est comme ça quand on a une Lamborghini. Regardez qui j'ai réussi à emmener dans la Lambo, les gars. C'est Blandine, elle est là. J'ai trop peur. On est en plein Dubaï, les gars. Et là, on est parti pour faire une petite séance photo, pour faire des petites photos sur Instagram avec la Lambo, bien évidemment. Ok, c'est parti. On est en compagnie de Naughty qui sera là pour faire la séance photo. Regardez la vue qu'on a juste ici sur Dubaï. C'est juste incroyable. Si vous voulez voir les photos, les gars, c'est sur mon Instagram, JeanFilsYT. Ça va être juste incroyable. Ok, les gars, on vient de finir la séance photo juste ici avec le beau paysage. J'ai une surprise pour toi, Naughty. C'est quoi ta surprise? J'ai prévu, tu vois, les 24 heures ne sont pas encore terminées. J'ai prévu une ouverture de booster Pokémon pour d'avoir une draco feu. Une draco feu, on fait quoi? On achète une Lamborghini. Si on a une draco feu, Naughty, honnêtement, je t'offre une Lamborghini. D'accord. C'est bon, je te l'offre, ok? D'accord. Ok, vas-y. Ok. On roule dans la voiture ou dehors? T'inquiète pas, regarde. Hop, ici. Il me semble que voilà, le coffre dans une Lamborghini, c'est devant les gars, c'est pour ceux qui savaient pas. Oh mais attendez, mais il y a trop de boosters là. Ah oui. On a des chances d'avoir la draco feu hein. On va ouvrir ça ensemble les amis et on espère bien sûr avoir des cartes de folie, folichon. Vas-y Naughty, je te laisse ouvrir ton premier booster, tu choisis celui que tu veux les gars. On va pas vous mettre les séquences où il y aura des boosters de nains. J'espère qu'on va avoir un draco feu. Imagine, on a un draco feu à Dubaï. Alors comment on fait Jean-Vis, parce que je n'ai jamais ouvert de cartes de Pokémon. Vas-y, tu ouvres comme une déchaînée. Hop. Comme ça. Oh. Ouais, voilà, exactement, c'est comme ça. Bien joué, voilà. J'ouvre comme ça? Ouais, vas-y. Est-ce que t'as quelque chose? Wow! What? Des premiers boosters, what? C'est bien ça, Jean-Fils? Ouais, elle est incroyable cette carte, elle a réchoué. Oh lolo! Moi j'y connais rien. Ah, attends, mais t'as des plastiques pour protéger? Non, j'ai pas de plastique pour protéger, mais c'est pas grave, je vais et la mettre là. Et ceux qui veulent le code? Voilà. Voilà, parfait le code. C'est à mon tour maintenant d'ouvrir le deuxième booster. Par contre, je vais ouvrir un peu la fenêtre là. Par contre, il fait trop chaud. il fait vraiment trop chaud. Mais sinon, on va ouvrir les boosters dans ma voiture, Jean-Fils. Hein. Non, non, non. Booster draco feu, les gars. On est obligé d'avoir un draco feu à l'intérieur. Obligé, allez. De la obligé à tuer. Allez, 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 allez. Allez. Ok, en plus, attention. Tu fais pas la technique? Non, je fais pas de technique. Oh, oh une belle. Vas-y, oh. à ton tour, Naughty. À moi. Vas-y, attention, t'as quoi dans ton booster, Naughty? Attention. Ouais. Oh, oh, oh.
Wow, what? Mais c'est bien. Wow, c'est incroyable, Lottie. Mais non. Je te jure, mais attends, mais t'as vraiment de la chance, toi, c'est pas possible. C'est vraiment incroyable. Regardez ce qu'elle a eu, Arceus V Max. Oh là 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 là. C'est vraiment incroyable, tu me fais marcher. Je te jure que c'est incroyable, Lottie. Putain, mais j'ai trop de chance, oh moi. Oh là là, vas-y, je mets les bonnes cartes. Elles vont cramer là au soleil. Ouais, elles vont cramer, c'est pas grave. Allez, c'est à mon tour, les gars. Allez, allez, la chance à Lottie, la chance à Lottie. Attention. Oh, j'ai un truc, j'ai un truc. Oh, j'ai René, c'est un dresseur. C'est pas aussi rare que la carte que t'as eue, mais franchement, ça fait plaisir. Arceus V Max Gold, c'est l'une des plus rares cartes. Attends, il nous en reste pas beaucoup, Jean-Fils, pour avoir la drac au feu. Il nous en reste 3. Allez, Lottie, je crois en toi, là, la drac au feu. Elle est là, elle est là, elle est là. Oh, c'est bien ou pas? C'est incroyable, mais... voilà, là, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux, j'amène. Mais moi, j'ai eu plus de bonnes cartes que toi, je gagne du coup. Ah ouais, là pour moi, t'es en train de gagner. T'es une winneuse là pour le moment. Par contre, je vais avoir la gueule qui transpire là, la vidéo là. Eh les gars, il fait 40 degrés. Là, clairement, mon fou, on est en train de transpirer. C'est incroyable. Oh, j'ai un truc. Attention. Notion de Margie. Ouais, c'est un dresseur. Ouais, pourquoi moi j'ai des dresseurs, Naughty, il a des Pokémon de fou. En vrai, merci Naughty, parce que grâce à toi, on a quand même eu deux cartes de fou. Et ça, c'est une très rare. Arceus V Max et Raichu V. Oh là 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 là, Naughty, t'es vraiment pas prête de savoir le prix que cette carte coûte. Hein. C'est au moins 5000 euros. Naughty. Mais non. 5000 euros. Mais c'est la mienne. Vas-y, tiens, je te la donne. Merci, Jean-Fils. Franchement, elle est vraiment en plus trop belle et tout en or. T'as pas eu Dracaufeu, mais t'as gagné une carte Pokémon. Oh Jean-Fils, va derrière la voiture, regardez ce que je vais faire. Ok, attends, elle va allumer la voiture les gars. On est parti pour écouter ce que la Lamborghini Aventador a dans le fiac. Vas-y. Wow. Attends, ça c'est juste la voiture vient de s'allumer hein. Wow. Incroyable! Oh, je suis choqué! Attends, ça fait trop mal! Wow! Wesh! C'est incroyable! Et attends, c'est clairement la meilleure des voitures de tout au monde! C'est la voiture de mes rêves, les gars! Mon son dans une Lamborghini Aventador, les gars! Mais vous y croyez ou pas, ça? On fait la fête, tu connais la devise, ma mène! On fait la fête, c'est la folie loin des problèmes! Ce soir c'est moi, ce soir c'est toi, ce soir c'est nous. En vrai, Dubaï, c'est clairement la ville du coup de cœur. La vérité. Est-ce que tu vas venir habiter après moi? Il y a vraiment moyen que je vienne habiter ici, hein, Naughty, là clairement. Je kiffe trop cette ville, c'est incroyable. C'est juste génial. Merci en tout cas, Naughty, de m'avoir invité dans avec plaisir, mon chou. À venir chez toi. Amis. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que je vienne vivre à Dubaï. En vrai, la vie est complètement différente de ce qu'on peut voir en France. Du coup, je me dis pourquoi pas. Je viens toujours de rentrer à la maison. J'ai la Lamborghini juste ici, les gars. C'est vraiment un truc de fou. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un très bon moment en visionnant cette vidéo en ma compagnie. Un maximum de pouces bleus. Je compte sur vous. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si toi aussi un jour tu veux rentrer dans une Lamborghini. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo où j'invite des abonnés dans ma Lamborghini, les gars? Je pense que ça pourrait être plutôt sympathique. Je vous souhaite de passer une excellente journée les gars, un maximum de bonheur pour vous et pour un pas les amis, on se dit à la prochaine. Tchuss.